Hey! Bonjour à tous, bienvenue! Quel génial! Bon, on va attendre encore quelques minutes, peut-être jusqu'à 10h05 pour commencer. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. On va être à deux speakers, moi le speaker principal que vous allez voir et entendre, et puis un modérateur qui est Gabriel Chemoul, que vous pouvez déjà voir dans le live, à qui vous pouvez poser toutes vos questions. Il est là pour vous. N'hésitez pas, moi je ne vais forcément pas avoir tout le temps les yeux rivés sur le live qui est juste là à côté. Mais par contre, Gabriel, oui. C'est son job et donc il sera là pour répondre à vos questions en temps réel. Et bien sûr, une fois de temps en temps, ben, je ferai une pause, je regarderai un petit peu et je ferai en sorte ben, de répondre à vos questions au fur et à mesure. L'objectif vraiment de cette session, c'est de répondre à toutes les questions qui peuvent être les vôtres. Donc voilà, donc Gabriel Chemoul, que vous allez pouvoir reconnaître dans le live, qui est là pour vous, qui est votre modérateur, qui est là pour répondre à toutes vos questions. Et moi également, ben, directement votre speaker, qui va être là pour répondre aussi à un maximum des questions qu'on a anticipées et puis en fin de présentation, répondre à toutes les questions que vous allez nous poser en direct. OK, hi, hello, bonjour à tous. Salut Théo, salut Lina, salut Chloé, bonjour Julie, la grande Julie, Hamza, Florian, Yanis. Waouh, c'est beau de vous voir tous connectés si tôt le matin, ça fait super plaisir. Ok, allez, on donne une dernière minute au retardataire avant de... On a quand même du pain sur la planche, bien 45 minutes devant nous. Et puis surtout, ben, vous avez beaucoup de travail, donc je ne voudrais pas empiéter sur le temps de travail qui va être le vôtre dans la journée. Ok, hello B. B Denier. Cool, donc il y a plein de gens, c'est très très bien. Bravo, bravo à tous. Ok, il est 10h05, donc maintenant on va commencer. Bonjour à tous, bon matin, comme on dit au Québec. Très heureux d'être avec vous. Bravo à vous de vous être levé. J'imagine que certains d'entre vous n'ont pas dormi ou très peu et que certains d'entre vous m'écoutent dans le lit ou sur une tasse de café à moitié comateux. J'espère vous réveiller très rapidement. J'espère que vous avez de quoi manger, de quoi boire, de quoi vous hydrater. On va être ensemble pendant 45 minutes. Et pendant 45 minutes, ben, on va parler du pitch. Hein. C'est le thème. Qui va nous intéresser ce matin. On va voir comment préparer, structurer et délivrer un super pitch, une super prise de parole startup. Mais avant de commencer, je vous propose de me présenter. Je suis Jérémy Navon, je suis le cofondateur de Pitch My Startup avec Gabriel que vous avez dans le live. Pitch My Startup, c'est avant tout. Là, voilà, comme ça je passe les slides en même temps. Pitch My Startup, c'était avant tout un grand événement startup. Comme vous pouvez le voir sur le visuel que je viens de vous mettre, ça c'est l'inauguration de WeWork en France, qui est le géant mondial du coworking. On avait créé un grand événement pour cette occasion, Pitch My Startup meets WeWork. Dans la salle, plus de 500 personnes, des grands fonds d'investissement français, des grands médias, et puis nous, et plein d'entrepreneurs, une dizaine d'entrepreneurs qu'on a fait pitcher sur scène. Et pendant 4 ans, ça a été notre métier principal, faire pitcher des entrepreneurs comme vous sur scène, devant des investisseurs, devant des médias, devant leurs pairs, devant des utilisateurs, devant des clients potentiels. Et depuis maintenant 2 ans, 2, 3 ans, notre métier principal, au-delà de l'événementiel startup, c'est devenu l'accompagnement au pitch. On s'est rendu compte en créant cet événement à quel point c'était crucial, à quel point ça pouvait être dommage d'avoir un entrepreneur qui a un super projet, une super énergie, une super équipe, et qui, par manque de préparation, pouvait se bananer sur scène devant les investisseurs, devant les médias qui les intéressaient, devant leur potentiel, leurs futurs clients. Et donc, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il fallait absolument accompagner tous les entrepreneurs. Et comme on avait déjà un petit skill sur le sujet, ben, on a fait notre métier. Donc maintenant, depuis 3-4 ans, on accompagne à la fois des dirigeants, des managers, des leaders et bien sûr des start-upeurs partout en France sur cette thématique du pitch, de la prise de parole start-up et business. Et donc, on a accompagné ben, plein de boîtes, des anti-cafés, des confos, des supermoods, La Poste, Business France et même dernière Polytechnique. Et on était assez heureux d'accompagner sur l'hackathon de Polytechnique. Donc voilà, on accompagne tout type de gens sur cette thématique. C'est notre métier au quotidien et on est, en tout cas, on le pense, les bonnes personnes avec Gabriel pour vous accompagner ce matin et vous permettre de monter une grande marche sur cette thématique du pitch et surtout bah, de gagner ce hackathon. C'est tout ce qu'on vous souhaite à tous, de passer au stade 2 et de gagner ce hackathon.
avec votre projet et de faire en sorte que votre projet voit le jour et en tout cas passe à l'étape supérieure. Donc voilà, après cette courte introduction, je vous propose qu'on rentre directement dans le sujet. Et le vif du sujet, ben, commençons par vraiment le plus basique. C'est quoi un pitch ? C'est un mot buzzword qu'on entend tout le temps, en particulier sur la scène startup. C'est un mot très à la mode, mais c'est quoi un pitch ? Ben, un pitch, c'est avant tout une prise de parole courte, impactante et à visée inspirante. Courte, impactante, à visée inspirante. C'est avant tout ça un pitch. Et l'objectif de ce pitch, c'est de convaincre votre auditoire que vous êtes le bon projet sur lequel il faut miser. C'est ça la définition d'un pitch. Alors, un pitch, on parle de pitch dans quelle situation en particulier ? Bien sûr, aujourd'hui, on parle essentiellement de pitch sur la scène startup et innovation, on est d'accord. On parle de pitch investisseur pour lever de l'argent, on parle de pitch média pour convaincre des journalistes, on parle de pitch salon pour transformer des leads sur les salons professionnels, on parle de pitch demo day pour des pitchs plus grand public ou événements startup. Mais avant d'être trusté par la scène startup, le mot pitch, en fait, est un mot qui vient de l'industrie cinématographique, qui vient du cinéma. Un pitch, c'était le résumé d'un film en quelques lignes, en quelques phrases, en quelques mots, qui allait permettre de vendre ce projet aux investisseurs, c'est-à-dire aux producteurs, et de faire en sorte que ce film voit le jour. Donc, avant tout, un pitch, c'était ça. Et en fait, on voit bien la corrélation avec le pitch actuel. Court, impactant et inspirant. En tout cas, c'est l'idée. Mais ça dure combien de temps, un pitch ? Alors ça, c'est la question qu'on nous pose le plus. OK, mais c'est quoi un pitch ? Est-ce qu'une présentation de 30 minutes, c'est un pitch ? Ben, bien sûr que non. Est-ce qu'un TED Talk de 12 minutes, c'est un pitch ? Non plus, un TED Talk, ce n'est pas un pitch. Alors, c'est quoi un pitch ? Est-ce que ça dure 30 secondes ? Est-ce que ça dure 1 minute ? 5 minutes ? Est-ce que ça dure 2 minutes ? En fait, il n'y a pas de bonne réponse. Ça dépend du contexte. Dans une situation de networking, un bon pitch, ça dure 15 à 30 secondes. Vous aurez guère plus de temps pour attirer l'attention de la personne en face de vous. Dans une situation de demo day, comme celle que vous allez vivre dans le cadre du hackathon, un pitch, ça dure entre 2 et 5 minutes en fonction des situations. Et là, en particulier, on a décidé de vous donner 2 minutes. Il n'y a pas un projet, aussi complexe soit-il, qui ne puisse être résumé en 2 minutes. Croyez-nous, on a accompagné un certain nombre, énormément, même des projets qui sont montés par des ingénieurs qui sortent de centres de télécom avec une grosse techno. Même leurs projets très technologiques, très compliqués, étaient capables d'être résumés en un pitch de 2 minutes. Donc, c'est un effort extrêmement important. On peut comprendre que ça peut faire peur d'avoir aussi peu de temps, mais ça permet d'être extrêmement impactant. Le pitch, en fait, si vous voulez, c'est comme la bande-annonce de cinéma, hein. Si vous voulez aller au cinéma ce soir, par exemple, après avoir réussi à donner votre maximum au bout de ce hackathon, vous allez aller sur le ciné, vous allez regarder les bandes-annonces, et sur la bande-annonce qui va durer entre 1 minute 30 et 2 minutes 30, vous allez décider ou non d'aller voir un film. Et si vous décidez d'aller voir un film, c'est un film qui va durer 2 heures dans une salle obscure. Vous allez allouer 2 heures de votre temps à voir un film sur une bande-annonce de 1 minute 30. Et bien là, c'est exactement la même chose avec votre pitch. Sur un pitch en 2 minutes, les investisseurs, le jury et puis un certain nombre de parties prenantes vont décider de miser sur vous sur beaucoup plus longtemps ou en tout cas de vous rencontrer sur un temps plus long. Donc, c'est exactement la même chose que la bande-annonce de cinéma, si vous voulez. Donc, combien de temps ça dure ? Pour vous, ça a duré 2 minutes. Et 2 minutes, c'est le même temps, on n'a pas choisi cette durée au hasard, c'est le même temps qu'ont les startups qui pitchent au Demo Day du Y Combinator, le YC, qui est le plus grand accélérateur au monde. Des boîtes comme Airbnb ou Dropbox sont sorties du Y Combinator et ont fait leur pitch en 2 minutes. Donc, je pense que vous pouvez faire votre pitch en 2 minutes. Et en tout cas, on y croit et on sait que vous êtes capable de le faire extrêmement bien. Donc, la question d'après, c'est mais comment on fait pour écrire ce super pitch ? Par où on commence ? C'est très bien, on doit faire un pitch en 2 minutes. Mais c'est quoi l'histoire, quoi ? Alors là, il y a plusieurs techniques. Tendance qu'on a pu avoir au cours de nos études ou dans le cours de nos vies professionnelles et j'aimerais qu'on en parle. Parmi les tendances, c'est la première tendance, la première habitude qu'on peut avoir, c'est de se ruer sur PowerPoint. C'est tout de suite aller sur PowerPoint ou sur Google Slides et commencer à créer les slides et on se disait, OK, au fil de l'eau, on va mettre les idées sur les slides et on va réussir à créer un super pitch. C'est rare que ça fonctionne bien comme ça.
une autre façon de faire, c'est parfois de se dire, OK, bon, bah, on va utiliser un slide deck d'un projet similaire ou du même projet pour une autre situation, on va le remanier et puis ça va le faire. Manque de peau, en général, vous manquez votre cible. Une autre solution, enfin, c'est de commencer à noter, à prendre des notes sur un papier et puis après, bon an, mal an, au fil de l'eau, vous allez en faire une synthèse et ça va marcher. Ça peut fonctionner, mais ce que je vous propose, c'est une méthode beaucoup plus stricte d'une certaine façon, mais qui va vous guider, qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Alors, comment on fait ? Eh bien, ce que je vous propose, c'est de vous poser 4 questions simples dans un premier temps. Pour préparer ce pitch, avant même de commencer à écrire, je vous propose de vous poser 4 questions simples. Hop. À quelle heure, limite et où ? Bon, d'accord. OK, il y a plein de choses qui se passent sur ce live. Merci, Julie. Oui, merci, Julie. On t'aime très fort. Donc, du coup, 4 questions simples. La question numéro 1, c'est celle du contexte. Ça veut dire quoi, le contexte ? C'est où est-ce que je vais pitcher ? Devant qui je vais pitcher ? Dans quelles conditions je vais pitcher ? Alors là, vous en avez déjà une bonne idée, on est d'accord ? Bon, vous savez que dimanche soir, vous n'allez pas pitcher. Que dimanche soir, vous allez devoir remettre un slide deck, dont on va reparler tout à l'heure. Et en fait, d'une certaine façon, votre slide deck, votre deck PPT, eh ben, ce sera votre pitch écrit. On y reviendra tout à l'heure. Mais par contre, pour ceux qui seront sélectionnés à la deuxième phase, les 10 dernières startups qui sont sélectionnées, qui pitcheront jeudi devant le jury, eh ben, vous allez devoir faire un pitch. Et donc, pour préparer ce pitch, ben, ça va être quoi le contexte ? Ben, le contexte, vous en avez une petite idée. Dans un premier temps, y a un jury qui vous a été annoncé. Ce jury, il est composé de personnalités imminentes de la scène des startups que vous connaissez sûrement. En particulier, Jean-Laurent Brochard, qui est partenaire chez Kimaventure, qui a investi dans des boîtes comme Alan, comme Captain Train. Vous avez Éric Larchevêque, qui a levé plus de 88 millions avec Ledger, 80 millions de dollars. Qui était jury dans la dernière émission de M6. Il y a Eva Sadoun qui est présidente de Tech for Good. Donc, vous avez un jury qui est un jury professionnel avec différentes casquettes. Vous avez des gens qui viennent du monde de l'investissement. Vous avez des journalistes avec Thierryel. Vous avez des investisseurs avec TechRisk. Des gens qui viennent plutôt du milieu de l'accompagnement avec Marc, Léa et Stéphanie. Donc, vous voyez que... et bien sûr Carlos, que j'ai pas cité tout à l'heure pour l'investissement et l'accompagnement. Donc, vous voyez bien que vous avez un jury qui est extrêmement riche. Et donc, ça, c'est le contexte. Vous allez pitcher devant ces gens-là. Le contexte, bien sûr, il englobe plus de choses. Hein. Vous allez devoir pitcher en 2 minutes, ça, vous le savez déjà, avec 2 minutes de questions-réponses avec ce jury. Vous allez devoir pitcher en visio, comme je le fais là. C'est une situation avec laquelle... on n'est pas tous extrêmement à l'aise et je vous donnerai des tips, bien sûr, tout à l'heure sur comment bien pitcher en visio. Vous allez devoir pitcher à une certaine heure, à 18h, dans quel ordre vous allez pitcher, qui va passer en premier, en dernier. Donc ça, c'est vraiment les éléments de contexte qui sont importants, qui vont permettre de vous préparer, de vous projeter et ultimately de performer le jour J. Jury 5 étoiles, on est d'accord. Bravo Julie, good job. Une fois que vous avez bien défini ce contexte, ce qui est important, c'est de bien définir votre objectif. C'est quoi votre objectif dans ce pitch ? Alors là, c'est assez évident. Votre objectif, c'est de gagner. Votre objectif, c'est de montrer que votre projet tient la route, que votre équipe est bonne, que votre projet est fiable, qu'il a un impact fort et bien sûr de convaincre ce jury que vous êtes la bonne équipe, le bon projet et que vous devez gagner. Convaincre ce jury, ça veut dire non seulement convaincre le jury dans réalité, convaincre le plus de membres du jury possible, convaincre les différentes catégories de personnes que vous avez, c'est tout ça convaincre un jury. Les convaincre non seulement en tant que jury, mais un par un. Et donc, comme chacun est différent, et ben vous allez devoir utiliser des arguments qui sont un peu différents de façon à les convaincre. Une fois que vous avez défini l'objectif, vous devez définir vos cibles. Alors là, encore une fois, c'est le jury, c'est ce que je viens de vous dire juste avant. Je viens de le spoiler, mais c'est ça, c'est le jury et chaque individu individuellement du jury, chaque personne individuellement. Dernière chose, le message. Alors, le message, c'est quoi ? Ben, le message, c'est assez simple, c'est le message que vous voulez qu'ils retiennent. Vous voulez qu'ils retiennent un message extrêmement simple sur votre boîte et qu'une fois que vous ayez passé, ben, il ne se rappelle plus que ça. Typiquement, c'est ma solution. Et la solution qu'il faut mettre en place pour
sortir de cette crise par le haut, en particulier dans le domaine de l'éducation. Si vous nous donnez les moyens d'avancer sur les 5 prochains mois, nous pourrons faire telle et telle chose. Donc, un message extrêmement court avec le nom de votre boîte, votre mission et puis ce que vous allez faire plus tard. OK ? Bon, alors, là, on vient de définir comment préparer ce pitch. Maintenant, on va regarder sa structure. Mais avant ça, est-ce que vous avez des questions ? Yes, no, no, yes ? On peut continuer ? Je prends un tout petit temps. Je sais qu'il y a un tout petit décalage. OK. Gabriel, c'est bon ? Tu réponds à tout ? OK, guys. Bon, alors, là, vous allez me dire, OK, bon, c'est bon, j'ai fait le travail préparatoire, j'ai bien défini mon contexte, mes objectifs, mes cibles, mes messages. Bah, je peux commencer à écrire. Non, 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 non. Minute papillon, vous emballez pas. Ce que je vous propose, c'est qu'on se replonge tous ensemble dans nos années, pardon, collège, lycée, OK ? Qu'est-ce qu'on a appris à faire ? Quand on devait écrire une dissertation, on écrivait d'abord le plan. Eh bien, ça, c'est une bonne pratique. Et c'est la pratique que je vous conseille d'adopter et que je devais adopter dans le cadre d'un pitch. Si vous structurez bien votre pitch, si vous créez un bon plan, vous suivez un bon plan, le pitch va s'écrire tout seul. Nul besoin de commencer à écrire frénétiquement et de vouloir faire la synthèse. Bien sûr qu'on veut écrire. We want to get down to it. Mais structurez-le avant, vous allez voir, ça va énormément vous aider et le pitch va s'écrire tout seul. Donc, la structure, elle ressemble à quoi ? Elle ressemble à quoi, cette structure d'un pitch à 2 millions de dollars ou 2 millions d'euros ? Eh bien, vous ne serez pas surpris, elle commence par le besoin, le besoin, le besoin, le besoin. Ça veut dire quoi ? Il faut que vous soyez, que votre solution réponde à un besoin fort, un bon gros besoin, un vrai problème, un pain, comme on dit sur la scène startup. Ce besoin, ça doit être un besoin précis, ce n'est pas un besoin vague, ce n'est pas on va mourir un jour ou j'ai soif quand je fais du sport. C'est un vrai besoin précis qui correspond à une vraie personne. Je sais que vous avez déjà bossé là-dessus, vous avez bossé sur les personas. Donc, c'est le besoin d'une persona, cette persona pouvant être une personne, un groupe de personnes, une entité, une entreprise. Mais c'est un vrai besoin qui fait mal, un bon vrai besoin. Il faut absolument commencer par là. OK ? Vous devez commencer par ce besoin, c'est lui qui doit être à l'origine, qui est à l'origine de votre projet, qui doit être à l'origine de votre pitch. Et bien sûr, ce besoin, il doit être introduit, enfin, votre pitch doit être introduit par une accroche. Alors, une accroche, très rapidement, c'est un chiffre fort, c'est un effet sonore, c'est un effet visuel, c'est une anecdote, c'est tout ce qui va faire que votre public, dès la première seconde, va lever les yeux de son portable ou de son ordinateur et va vous écouter. Mais cette accroche, elle doit absolument être liée au besoin. Donc, c'est un chiffre fort qui est lié à votre besoin, c'est une anecdote qui est liée à votre besoin. Ce n'est pas uniquement un effet de manche. Okay ? Donc, vraiment, le besoin avant tout. Et une fois que vous aurez bien défini votre besoin, que vous nous l'aurez bien explicité, que vous nous aurez parlé de votre besoin précis qu'à un groupe de personnes précis, vous aurez le droit de parler de votre solution. C'est uniquement quand vous nous aurez dessiné, illustré l'enfer que vous pourrez nous présenter le paradis. OK ? Et le paradis, c'est bien sûr votre solution. Mais avant même de rentrer dans le détail de votre solution, j'imagine, mord les doigts, eh ben, il faut l'annoncer. D'une certaine façon, vous devez dire OK, welcome to paradise, the best place in the afterlife. Bienvenue au paradis, le meilleur endroit dans l'après-vie. Et quand je dis ça, The Paradise, c'est le nom de votre solution. The best place in the afterlife, c'est votre catchphrase. Vous devez dire le nom de votre solution, idéalement deux fois, et après votre catchphrase qui définit ce que vous faites. Donc, comment vous dites le nom de votre solution ? Très lentement, très clairement, en l'articulant. Le nom de notre boîte, c'est Pitch My Startup, c'est en anglais. Je vais lire très lentement, je vais bien appuyer sur les différentes lettres de façon à ce qu'ils se comprennent bien. C'est encore plus vrai dans une langue qui n'est pas le français ou un mot qui n'est pas connu. Donc, il faut vraiment le dire très clairement, le nom de votre solution et après, votre catchphrase. Okay ? Par exemple, on a un peu brainstormé avec Gabriel. Actuellement, on se dit qu'on créerait bien une boîte qui s'appelle Mister Congélo.
Mister Congelo, c'est la solution qui vous permet d'optimiser votre congélateur en temps de crise. Je ne sais pas si vous avez été chez Picard, mais c'est dévasté. Mieux vaut remplir son congélateur de façon à pouvoir manger pendant une semaine en entier. Mister Congelo. Ok, vous avez compris ? Le nom de la boîte et après la cache fraise. Bien sûr, on ne va pas le créer, hein, vous avez bien imaginé. Mais je suis très, très fort à optimiser les congélateurs. Ça, c'est la solution. Donc, au-delà de Mister Congelo, il y a quelques exemples qui sont extrêmement connus et que je vais vous partager. Donc ça, c'est le premier slide deck de Airbnb, enfin Air Bed and Breakfast. Donc ça, c'est le nom de la boîte. Et bien sûr, derrière la catchphrase, book rooms with local rather than hotels. C'est ça la proposition de valeur. Donc c'est ce type de choses qu'on veut absolument que vous fassiez avec vos projets, avec vos entreprises, avec vos startups, auxquelles vous êtes obligé de donner un nom, on est d'accord, hein, et des noms idéalement sexy. Deuxième exemple, Uber Cab. Eh oui, avant de s'appeler Uber, ça s'appelait Uber Cab. Et regardez ce qui est très, très drôle sur ce magnifique visuel, c'est le BlackBerry. Eh oui, à l'époque, c'était un des téléphones à la mode. Dernier exemple, Matchbox. Tiens, vous connaissez Matchbox ? The Flirting Game. C'est quoi Matchbox, à votre avis ? Alors là, si vous étiez devant vous, je vous ferais lever la main. Devant moi, je vous ferais lever la main pour imaginer ce que c'est. Matchbox, c'est le premier nom de Tinder, The Flirting Game. Et donc, ce qui est vachement marrant avec ce dernier exemple, c'est qu'en fait, Matchbox, ou plutôt Tinder, a été créé en 48 heures dans un hackathon comme le vôtre. Donc, comme quoi, il y a des grandes startups, des licornes qui sortent de hackathon comme Tinder. D'ailleurs, pour rentrer dans le détail de Matchbox, on va y arriver tout de suite. Donc, vous avez donné. Vous avez bien identifié, vous avez bien illustré l'enfer avec le besoin. Vous avez annoncé le paradis avec le nom de votre solution et votre catchphrase. Et maintenant, vous allez nous dire comment ça marche. Ok, on est d'accord, on y arrive. Dire comment ça marche. Vous allez rentrer dans le détail de votre solution. Et pour rentrer dans le détail de votre solution, ce qui est extrêmement important, c'est de rentrer par l'UX, par l'expérience utilisateur. Alors, comment vous allez faire ça ? Eh bien, vous allez utiliser un exemple. Vous allez prendre l'exemple, et c'est ce qu'a fait Matchbox, de Matt ! Un peu creepy, Matt. Matt est un homme blanc de 35 ans. Il boit des verres dans des soirées. Et qu'est-ce qui se passe avec Matt ? Matt spots girls. He likes at parties. But, like most of us, Matt won't go over to say hello. Ouais ! Problème qu'on a tous connu. Homme ou femme, d'ailleurs. Pauvre Matt, il n'ose pas, il voit des filles superbes, mais il a pas le cran d'aller les voir et de dire bonjour. Et donc, il n'y a rien qui se passe. Et donc, après, bien sûr, dans la suite du pitch, Matchbox, à l'époque, Tinder, allait rentrer dans le détail de l'UX, comment ça allait se passer et quelle allait être l'user experience de Matt qui spot une fille, n'arrive pas à lui parler et puis il va sur son app. On est d'accord ? Donc, dans un premier temps, on annonce la solution. On annonce la catchphrase et après on rentre dans le détail avec une question rhétorique qui est comment ça marche. Moi, je vous conseille vraiment d'utiliser cette question rhétorique-là. Comment ça marche ? C'est assez simple et vous rentrez dans le détail de l'user experience. OK ? Cool. Est-ce que vous avez des questions jusque-là ? On va rentrer dans le détail un peu de la solution, mais est-ce que vous avez des questions ? Je mets le mot sexe. Merci, Yoclair Patrice. Mister Congelo, prochaine licorne, mais j'en suis certain. OK, guys, on continue ? D'autres questions ? Non ? Gabriel, all good ? Bon, ça a l'air d'être good pour tout le monde. OK, donc, maintenant, on va rentrer dans le détail de ce qu'on va retrouver dans votre solution. Alors, le besoin, la solution. Dans la solution, on va mettre d'autres éléments ensemble. Donc, dans la solution, on va mettre... tout ce qui est donc présentation de la solution en tant que telle, ce qu'on appelle unfair advantage, votre unfair advantage, vos avantages concurrentiels par rapport aux solutions qui existent déjà, et également le business model. C'est extrêmement important que vous nous disiez à tous comment vous allez gagner de l'argent. Okay ? Donc, non seulement j'ai une solution, j'explique comment elle fonctionne, je dis en quoi elle est différente, elle est meilleure de toutes les solutions qui existent aujourd'hui, en quoi elle est viable, et puis comment elle va gagner de l'argent, comment elle est viable financièrement. Okay ? Donc, une fois que vous avez bien fait cette partie-là,
on va aller sur la roadmap. La roadmap, c'est quoi? C'est le plan d'action, le plan d'attaque. Comment vous allez y aller? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant pour arriver au premier point de contact qui est le pitch? Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et quelle est votre vision à plus long terme? C'est essentiel de bien voir que vous êtes ambitieux, que vous projetez, que vous voulez continuer ce projet et que vous allez aller vachement loin. Donc, c'est là-dessus qu'on mise. C'est sur une vision, et non seulement sur une vision, mais aussi, bien sûr, sur une équipe. Vous êtes les bonnes personnes pour porter cette vision. Vous êtes les bonnes personnes pour opérer et pour performer et pour faire en sorte que ce projet réussisse. Et donc là, il faut que vous rentriez dans le détail, bien sûr, de qui vous êtes, comment vous êtes répartis les tâches, en quoi vous êtes complémentaires, pas seulement vos profils, mais en quoi vous formez une bonne équipe et vous êtes la bonne équipe pour mener à bien ce projet. Dernière chose, après le besoin, la solution, la roadmap, l'équipe, le call to action ou l'appel à l'action. Et c'est de loin la partie la plus importante de votre pitch. Si vous n'êtes pas habitué de faire un call to action, je vais, avec cette masterclass, changer votre vie. Je ne veux plus que vous ne finissiez jamais n'importe quelle prise de parole par « Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Voilà, voilà. Thanks everyone. » Si vous terminez comme ça votre prise de parole, c'est que vous ne demandez rien. C'est que votre prise de parole n'a servi à presque rien. Ou à rien. C'est que vous n'avez pas défini d'objectif en amont. C'est pour ça qu'on a défini l'objectif. Si vous avez un objectif clair, vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez pourquoi vous pitchez devant ces personnes, vous savez quel est votre objectif, il faut demander quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous allez demander? C'est quoi votre call to action? Est-ce que vous allez demander de l'argent pour continuer l'aventure? Est-ce que vous allez demander des ressources pour pouvoir pour pouvoir aller plus vite? Est-ce que vous allez demander aux personnes qui sont là, si c'est un pitch grand public, de télécharger l'application? Il faut vraiment définir un call to action clair et qu'on comprenne pourquoi vous avez, typiquement si c'est de l'argent dont vous avez besoin, pourquoi vous avez besoin d'argent? Pourquoi c'est important pour vous de gagner ce hackathon? C'est quoi les next steps pour vous? Donc le call to action, c'est essentiel dans tout pitch. Si vous avez oublié votre call to action, votre pitch ne sert à rien. Si vous avez oublié votre call to action, vous ne dites pas aux personnes qui sont en face de vous, au jury, comment ils peuvent vous aider à aller plus loin. Et surtout, ça veut dire que vous n'avez pas bien défini votre objectif. OK? C'est clair? Donc, 5 éléments extrêmement forts qu'on doit retrouver dans votre pitch en 2 minutes. Ça, c'était la photo du paradis dont on a parlé tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent The Good Place, c'est une super série qui mélange enfer et paradis. Je vous conseille à la regarder. Bon, alors, on y arrive. Hein, on a défini comment préparer. On a défini comment structurer. Bon, comment on l'écrit, ce pitch? Là, en fait, il est presque déjà complètement écrit, on est d'accord. Hein, vous avez fait tout ce travail stratégique, vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez pourquoi vous avez pitché, vous savez ce que vous voulez dire. Vous avez bien structuré votre pitch. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre des mots. Et pour mettre des mots, il faut que vous travailliez les chiffres forts, il faut que vous travailliez les mots-clés, il faut que vous mettiez des exemples, ça, on en a parlé tout à l'heure. Utilisez des exemples concrets pour parler de votre produit, à la fois dans le besoin et dans la solution. Quelle est la situation de Matt avant Matchbox et quelle est la situation de Matt après Matchbox, et la même chose pour les cas d'usage. Quelle est la situation de Gabriel avant que Mister Congelo existe? Est-ce qu'il arrivait à optimiser ce congélateur ou est-ce que malheureusement pauvre Gabriel il se retrouvait avec plein de congelés sous les bras qu'il essayait de faire cuisiner le plus rapidement possible, de cuisiner le plus rapidement possible pour ne pas les perdre? Heureusement il y a Mister Congelo. Donc vraiment c'est essentiel d'utiliser l'exemple, c'est essentiel d'être extrêmement précis, d'utiliser des mots-clés, d'utiliser des chiffres forts et des questions rhétoriques. Alors, c'est quoi une question rhétorique? Depuis tout à l'heure, je vous en ai posé un certain nombre. D'ailleurs, ce slide, comment écrire mon pitch, est une question rhétorique parce que j'y réponds. La question rhétorique, c'est vraiment le meilleur moyen de créer de l'interaction avec votre public et en particulier dans une situation visio. Et c'est pour ça qu'on a décidé de restructurer notre présentation dans ce cadre-là. Malheureusement, l'interaction, elle n'est pas forcément extrêmement évidente, enfin c'est pas évident d'interagir ensemble en visio, même si je vous ai sur YouTube juste à côté. Donc l'objectif c'est de porter un maximum de questions que vous pouvez vous poser et en portant ces questions-là, et d'y répondre. Donc la question rhétorique c'est ça et c'est vraiment la meilleure façon de faire les transitions. Par exemple, c'est comment ça marche, à quoi ressemble un business model pour une solution comme celle-ci, où serons-nous dans 5 ans? Et vous y répondez derrière. Dans 5 ans, nous serons. Quand ça marche, c'est assez simple, etc. Question rhétorique, c'est un élément extrêmement fort
extrêmement puissant pour vous permettre d'écrire un très bon pitch. Okay ? Bon, alors, on l'a écrit. Maintenant, on veut le délivrer. On veut y être, quoi. Enfin, on est le jour J, on veut faire que ce pitch-là il soit excellentissime. Il est très bien écrit. Maintenant, vous devez très bien le délivrer. En fait, le travail que vous avez fait jusqu'à maintenant, si vous ne le délivrez pas, si vous le délivrez pas bien, il sert malheureusement presque à rien. Quand je suis arrivé tout à l'heure devant cet écran-là, dans un premier temps, vous m'avez vu. Dans un deuxième temps, vous m'avez entendu. Et c'est uniquement dans un troisième temps que vous avez écouté ce que j'avais à vous dire. Si ma voix n'était pas bonne, ma posture n'était pas bonne, si mes slides n'étaient pas bons, et ben, au bout d'un moment, vous auriez décroché. Ce qui, a priori, n'est pas le cas. C'est essentiel. C'est essentiel de bien délivrer votre message. C'est vraiment ce qui va faire que votre message va passer à la fin. Bien sûr, vous devez travailler sur votre message. Bien sûr, vous devez d'abord travailler sur votre message, sur la préparation, sur la structuration, sur l'écriture de votre pitch. Et après, il faut absolument que vous preniez le temps de vous concentrer sur comment vous allez le passer, comment vous allez le délivrer. Faites attention, on n'a toujours pas parlé de slides, c'est-à-dire qu'on ne les a toujours pas faits. Okay ? Alors, comment vous allez délivrer votre pitch ? Pour ça, on a deux acronymes qu'on a créés chez Pitch My Startup et qu'on va vous livrer en avant-première. Le premier, c'est ADORER. ADORER, c'est un acronyme qui est fait pour vous rappeler ce qu'est une posture de leader, une bonne posture dans une situation de prise de parole. Alors, le A, c'est ancré. C'est-à-dire que vous devez avoir vos pieds ancrés dans le sol de la largeur de vos déplacements, vous tenir bien droit. Le D, c'est se tenir bien droit. Le O, c'est être ouvert. Alors, être ouvert, ça, vous le savez. Vous savez que cette posture-là, vous savez que cette posture-là, on croise les bras, ce n'est pas une posture qui est idéale. C'est une posture où les gens ne vont pas forcément vouloir vous aborder. Et c'est bien sûr vrai en situation de prise de parole. Mais comment on fait pour être ouvert? Et ça veut dire quoi être ouvert? Être ouvert, c'est montrer aux gens qui sont en face de vous que vous êtes heureux d'être là, que vous avez envie de partager avec eux, que c'est un moment d'échange et que vous êtes là pour non seulement leur donner, mais recevoir. Donc, dans le corps, comment ça se voit? Clairement, il faut que les mains soient le plus ouvertes possible de façon à venir enrichir votre discours avec des gestes. Dans un premier temps, ce n'est pas évident. On fait ce qu'on appelle des autocontacts. Le mot en anglais, c'est auto-comfort. En fait, c'est pour se rassurer. Et puis, au fur et à mesure, ces autocontacts, quand on en prend conscience, on les lâche et puis on ouvre nos mains. Moi, mon autocontact, c'était celui-ci. C'est celui que j'appelle le Jacques Chirac. Pour les plus âgés d'entre vous, manger des pommes. Et donc, petit à petit, cet autocontact, c'est ouvert pour aujourd'hui donner une ouverture pleine et entière. OK. Donc, ancré, droit, ouvert, le regard, c'est essentiel de regarder son auditoire. Alors là, bien sûr, vous êtes en visio, mais regardez, j'essaie de vous regarder au maximum, de regarder cette caméra, de vous regarder dans les yeux, en tout cas que vous me voyez, de façon à ce qu'il y ait une connexion entre vous et nous. Bien sûr, sur scène, c'est plus simple, vous allez pouvoir regarder des vraies personnes dans les yeux, et donc là, la connexion va se faire plus facilement, mais même à travers une caméra, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce contact qui soit là au maximum avec votre audience. Deux dernières choses, l'énergie. Pourquoi dans la posture? Parce qu'en fait, il faut que vous donniez de l'énergie, que vous ayez de l'énergie dans le corps. Ça veut dire qu'avant de passer sur scène, avant de commencer votre pitch, il faut que vous mettiez en énergie, il faut que vous sautiez un peu, il faut que vous fassiez un peu de sport, il faut que vous sentiez bien dans votre corps. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi donner de l'énergie à travers votre corps dans le cadre de ce pitch. Et le dernier élément, c'est le sourire. C'est essentiel de sourire dans une situation de prise de parole. Alors, bien sûr, au quotidien, c'est bien sûr essentiel, mais en particulier en situation de prise de parole, ça montre que vous êtes là, quoi. Vous êtes heureux d'être là, vous avez de l'énergie du sourire, et ça montre surtout que vous êtes là pour partager. C'est encore plus vrai en visio. En général, quand vous faites la gueule en visio, ça se voit beaucoup. J'ai l'impression que vous êtes un enterrement. C'est essentiel de sourire, presque de se forcer à sourire dans un premier temps pour sourire beaucoup. Donc ça, c'est l'acronyme pour un corps maîtrisé et une posture de leader. Et j'en profite pour faire une petite pause en buvant une gorgée d'eau. Est-ce que vous avez des questions? Pour les protos, il n'y a pas d'exemple en interactivité. Hakim. Non, Alim. En deux minutes, si je comprends bien la question, en deux minutes, en fait, vous n'allez pas pouvoir faire de démo.
L'idée, c'est d'utiliser des screenshots de votre solution et nous expliquer comme ça fonctionne. En 2 minutes, on n'a pas du tout le temps de faire une démo. Ça, c'est sûr que non, pendant le pitch. Et d'ailleurs, sur la majeure partie des pitchs, c'est bien, c'est toujours bien une démo, mais quand vous avez vraiment moins de 3-4 minutes, il ne faut pas faire de démo. Ok, great. Du coup, j'ai pu boire une bonne gorgée d'eau. On continue. Deuxième acronyme, après adorer et la posture de leader, vrai. Et là, on est sur la voie. Comment maîtriser sa voix? Quels sont les différents leviers sur lesquels que je peux activer pour avoir une voix qui est maîtrisée, une voix forte, une voix de leader? Le premier, c'est assez simple, c'est le volume. Vous pouvez parler plus ou moins fort. Ce qui ne veut pas dire que vous devez tout le temps parler fort, n'est-ce pas? Si vous parlez tout le temps fort, c'est bizarre. Mais parfois, vous allez parler fort et parfois, vous allez parler moins fort. Et c'est ça qui va donner un certain relief à votre voix. Mais pas seulement. Le R, c'est le rythme. Vous allez parler plus ou moins vite. Plus ou moins fort, plus ou moins vite, plus ou moins vite. Et toujours articulé, bien sûr. Alors ça, nos parents nous l'ont beaucoup dit, articule. En situation de prise de parole, c'est bien sûr encore plus vrai. Vous devez articuler, vous devez extrêmement bien articuler, encore plus dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle. Alors bien sûr, encore une fois, vous ne devez pas articuler de façon mécanique, vous n'êtes pas des robots. Mais faites attention. Quand vous voyez que vous commencez à buter sur les mots, faites une pause et articulez. Dernière chose, avant-dernière chose, l'intonation. Alors l'intonation, c'est quoi? C'est un mélange du volume, du rythme et de l'émotion. C'est un peu comme en musique. L'objectif, c'est de transmettre des émotions à travers votre voix. Le volume, le rythme, l'articulation, l'intonation et le dernier, le plus important, le silence. Et oui, l'arme la plus forte, la plus importante dans le cadre d'une prise de parole maîtrisée, d'une voix maîtrisée, c'est le silence. Le silence, ça vous permet de mettre en exergue un mot, ça vous permet de respirer, ça vous permet d'oxygéner votre cerveau, ça vous permet surtout de faire en sorte que votre auditoire raccroche les wagons. Parce qu'en général, il y a toujours un décalage. Alors bien sûr, en visio, le décalage est encore plus important. D'ailleurs, là, il y a un vrai décalage. Mais l'objectif, c'est qu'on soit tous au même mot, au même moment, à la même idée, au même moment. Ça, parfois, il faut savoir faire un silence, de façon à ce qu'on soit tous à la même page. Donc le silence, la dernière chose qui est essentielle pour maîtriser son corps, maîtriser sa voix, maîtriser sa prise de parole, c'est la respiration. S'il vous plaît, respirez. Ne pitchez pas en apnée. C'est le pire. Imaginez que si vous ne respirez pas, votre audience, votre auditoire est en apnée. Si votre audience est en apnée, à un moment, elle va arrêter d'être en apnée. Elle va vouloir respirer. Et donc, à partir du moment où elle va arrêter d'être en apnée, elle va arrêter de vous écouter. C'est essentiel. Si vous respirez, vous allez pouvoir, encore une fois, oxygéner votre cerveau. Vous allez pouvoir retrouver vos mots plus facilement. Vous allez pouvoir déstresser. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Vraiment, la respiration, c'est la clé de toute bonne prise de parole. Respirez, 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 respirez avant. Respirez pendant, faites des pauses. Respirez bien sûr après. Et quand je dis respirez avant, prenez des grandes inspirations et des grandes expirations. Cette respiration, elle va vraiment vous guider dans cette prise de parole. Elle va vous donner les moyens de ne pas perdre vos moyens, justement. Alors, je regarde ce que j'ai comme slide après. Donc après, on a listé plein de questions. Il y a un slide qu'on n'a pas mis là, qu'on aurait dû mettre, c'est justement la question des slides. Alors, en ce qui concerne la question des slides, ce slide-là, vous l'avez, Julie vous l'a envoyé normalement. C'est vraiment les slides que vous allez devoir rendre pour ce soir, dimanche soir. C'est un slide deck particulier. C'est pas le même slide deck que celui que je viens de vous faire. Là, la présentation que je viens de vous faire, c'est une présentation pour l'oral. On est d'accord? Donc, par définition, lors d'une présentation sur l'oral, on va mettre un mot comme ça sur un slide de couleur, on va mettre un visuel plein pot, on va mettre 3-4 points qui vont arriver les uns après les autres. Mais là, sur le slide deck que vous allez devoir envoyer pour ce soir, c'est un slide deck dit autoporté qui va porter votre pitch sans que vous puissiez le présenter. Et donc, vous allez devoir mettre un certain nombre de choses dessus. Je ne vais pas reprendre différents éléments, mais c'est les différents éléments du pitch qu'on a vu ensemble. Donc, ça vaut le coup que vous construisiez ce pitch tel qu'on l'a pensé et que vous le construisiez tel qu'on vient de le présenter, parce qu'en fait, ça va vous permettre de remplir ce slide deck. J'ai quand même un conseil à vous donner.
ne les chargez pas trop, ne mettez pas 4 visuels par slide, essayez de faire en sorte qu'ils soient les plus épurés, les plus simples possibles. N'utilisez pas trop de mots, essayez d'utiliser un minimum de mots, vraiment faire en sorte qu'ils soient, ouais, qu'ils soient vraiment quand même design malgré toutes les informations que vous voulez faire porter dessus. À chaque information que vous mettez, demandez-vous si elle est vraiment importante. Et mettez pas 12 niveaux de lecture, quoi. Enfin, 3 niveaux de lecture maximum, 3 informations fortes par slide, c'est maximum ce que vous pouvez mettre à l'oral. Travaillez les mots-clés, travaillez les mots en gras, travaillez peut-être la couleur. C'est ça vraiment qui va vous permettre d'avoir un slide deck qui va être impactant. Bien sûr, mettez le nom de votre boîte, essayez de créer un logo si vous n'en avez pas, même quelque chose de simple. Oui, et vous avez le droit à 2 annexes. Moi, je conseillerais vraiment à ce que vous mettiez, si vous avez une plateforme, ou un produit, un screenshot de la plateforme. Enfin, c'est essentiel qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. OK ? Cool. Ce que je vous propose maintenant, il est 44, donc on est exactement dans le temps. Je vous propose qu'on prenne encore 15 minutes. On a quelques questions qu'on a listées que vous pouvez vous poser et j'imagine que vous avez aussi des questions. N'hésitez pas à les poser via le YouTube live. On va y répondre. Mais parmi ces questions, la plus évidente, la première... qu'on a identifié, c'est comment bien pitcher devant une caméra. Okay, comment on fait pour que cette situation se passe bien? Ben, y a des règles qui paraissent évidentes, très rapidement. Règle numéro 1, préparez-vous. Faites en sorte que la technique soit bonne, que votre ordinateur ou votre téléphone soit à la bonne hauteur, faire en sorte que l'Internet fonctionne. Vérifiez que l'Internet fonctionne bien, que les micros fonctionnent, que les clickers fonctionnent. Enfin, il y a assez de batterie dans le téléphone, ça c'est vraiment tous les aspects techniques qu'il faut absolument qu'ils soient gérés. Et même si on peut toujours avoir des bugs, il faut faire en sorte que tout, à part les bugs, soit prévu. Et en ce qui concerne les bugs, ben, peut-être enregistrer votre pitch en vidéo avant, et si vraiment ça bug trop, ben, vous l'envoyez. Envoyez votre pitch vidéo, filmez tous votre pitch en vidéo de façon à ce qu'ils puissent le recevoir si vraiment il y a un crash de l'Internet de votre côté ou quoi que ce soit. Deuxième chose, entraînez-vous devant la caméra, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Entraînez-vous à pitcher devant la caméra de façon à vous habituer à cette situation-là. Après, il y a le background. Clairement, ici, normalement, dans mon background, il y a plus de choses que vous voyez là. Et je ne sais pas si vous le voyez, mais on a rajouté le logo de Pitch My Startup. Si vous pouvez mettre votre logo dans le background, c'est cool. Je n'avais pas de jolie plante, mais n'hésitez pas à mettre une jolie plante. Enfin, voilà. Sachant qu'il ne faut pas qu'il soit trop chargé non plus. Là, on a un background qui est celui de la majeure partie des intérieurs, c'est-à-dire clair. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un t-shirt foncé de façon à bien ressortir. Est-ce que vous me voyez bien? Très attention au background. Bien sûr, attention au bruit qu'il peut avoir autour de vous. S'il y a des gens dans votre appartement, dites-leur que vous êtes en train de pitcher. À l'arrière, faites-les sortir. Mes enfants sont avec leur mère en train de sortir au soleil dans le jardin de la résidence. Faire en sorte que vous n'allez pas être dérangé et que votre auditoire ne sera pas dérangé par le bruit ambiant. Ça, c'est extrêmement important. Mais après, il y a toutes les best practices qui sont liées à la prise de parole. Hein. Clairement, c'est comment bien vous préparer, comment bien pitcher en caméra, c'est avant tout bien se préparer. Hop. Comment dois-je m'habiller le jour J? Alors, comme une startup, casual Friday, pas trop strict, jeune cool fun, si vous voulez. Moi, j'aime bien les polos. Foncé, donc c'est pour ça que j'ai mis mon polo foncé, j'ai mis mon pantalon de couleur et mes chaussures de ville. Je pense que la cravate, c'est souvent trop quand on pitch en mode startup. Vous savez un peu des vêtements dans lesquels vous vous sentez à l'aise et en même temps qui sont propres. Si c'est des baskets blanches, c'est la version que vous gardez pour pitcher, c'est pas vos baskets de tous les jours qui sont niquées. Quoi. Donc vraiment, habillez-vous bien, essayez d'apporter, si votre fond et clair, mettez quelque chose de foncé. Si votre fond est foncé, mettez quelque chose de clair de façon à bien sortir. Qu'est-ce que je mets dans le background? Là, j'ai déjà répondu à cette question-là. Ça paraît assez évident. Nettoyez vraiment le background de façon à ce que ce soit le plus propre possible. Est-ce qu'on peut pitcher à plusieurs? Alors là, j'ai une vraie préconisation. Ne pitchez pas à plusieurs. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Et de un, parce que 2 minutes, ça va très très vite. Et qu'on n'a pas le temps de s'habituer à 2 personnes en 2 minutes. Même sur scène, en 2 minutes, une personne, dès le temps qu'on appréhende votre corps, qu'on appréhende votre voix, qu'on vous écoute, qu'on vous comprenne, si au bout d'une minute, vous switchez à quelqu'un d'autre, c'est autant de temps que ça va me prendre pour appréhender cette nouvelle personne, m'habituer à sa voix, m'habituer à son corps. Donc, vraiment, essayez
de pitcher. Enfin, un seul pitcher, c'est bien. Je sais que c'est, ça peut paraître ingrat, mais les autres pourront répondre aux questions. Et puis, ils sont là, ils sont présents dans le slide deck. Ça montre que vous êtes capable d'empowerer quelqu'un et de lui donner, de le faire pitcher lui. Donc, plutôt un pitcher, encore plus en visio. Hein. Clairement, en visio, quand on passe d'une personne à l'autre, c'est extrêmement, ça, extrêmement dérangeant dans un pitcher demi. Est-ce que je peux lire mes notes pendant le pitch ? Encore une fois, grosse préconisation, non, ne lisez pas vos notes. Alors, comment faire pour ne pas lire ses notes ? Ben, travailler, réviser énormément. Il faut vraiment que votre pitch, vous l'ayez en tête. Alors, bien sûr, c'est pas grave si vous n'utilisez pas les mots qui sont écrits sur vos notes. C'est pas grave si vous n'utilisez pas les mots justes. Ce qui est essentiel, c'est que le message passe extrêmement bien, que la structure soit bonne. Ce qui est important, c'est que les mots-clés soient les bons, que les chiffres-clés soient les bons, que les questions rhétoriques qui font la transition entre les parties soient les bonnes, que le call to action soit là, on a bien compris. Le reste, ce n'est pas important. Votre projet, vous le connaissez, vous l'avez travaillé, vous le connaissez sur le bout des doigts. Ce qui est essentiel, c'est d'entrer en interaction avec votre auditoire. Et la seule façon d'être en interaction, bah, c'est de leur parler. Et donc, vraiment, ne lisez pas vos notes. Quand vous, si vous lisez vos notes, ça va s'entendre. Vous allez être beaucoup plus scolaire, vous n'allez pas être en interaction. Et puis surtout, vous n'aurez pas le naturel qu'il y a quand on parle à des gens. Et avant tout, un pitch, même quand c'est autoporté, même si c'est autoporté, eh ben, c'est une interaction avec votre auditoire. Vous êtes en train de leur parler d'un projet qui est extrêmement important, qui répond à un besoin, qui est fort, pour lequel vous avez une super solution, qui est le paradis, et pour lequel vous avez besoin de leur aide pour continuer à avancer. Hop. Et les slides pour ce soir dans tout ça, on y a déjà répondu. C'était là le slide dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous l'avez, hein, vous le connaissez. Là, on vous demande de commencer par l'équipe, puis le problème. Hein. Donc, l'équipe, en fait, d'une certaine façon, c'est votre slide numéro 1 où il y a le nom de votre boîte, votre équipe pour présenter le projet. Après, c'est le problème. Là, on est rentré dans le détail. Votre solution, on en a parlé tout à l'heure, avec bien sûr votre persona. Proposition de valeur, ça, ben, on l'avait mis nous dans la solution, le business model aussi. L'exécution, c'est ce qu'on appelle le plan d'action, la roadmap. Et bien sûr, alors le CTA, vous allez le mettre là-dedans, hein, on est d'accord. Et deux slides annexes, on vous encourage grandement de mettre un screenshot de votre plateforme si vous en avez. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu avant que je vous fasse mon propre call to action? Alors, comment gérer un imprévu, problème technique, j'ai oublié le texte. Ok, génial. Alors, il y a deux questions dans ta question. Disons que tu t'appelles Benoît Dénier. J'aimerais bien avoir ton vrai prénom, mais il y a deux questions dans ta question. Première question, c'est comment faire si j'ai oublié mon texte, si je me rappelle plus ce que je dois dire. Vous ne l'avez pas oublié. On est d'accord. Idéalement, vous l'avez tellement travaillé, vous l'avez tellement dit à l'oral, tellement dit à vos team members, peut-être à des membres de votre famille, à des gens qui sont autour, qu'en fait, vous l'avez tellement dit que les connexions logiques, elles sont intégrées. Même si les mots justes ne sont pas intégrés, les connexions logiques, ce qui vient, les différentes étapes qui viennent les unes après les autres, vous les connaissez par cœur. Donc ça, idéalement, si vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous l'avez dit pendant plusieurs jours. Ah oui, c'est important. Un pitch, ça ne se révise pas le jour juste avant. Il faut que vous ayez au moins 2-3 jours pour intégrer les différentes connexions logiques, les différents mots-clés, et que vous le disiez énormément à plein de gens, de façon à vous l'approprier, à y mettre vos vrais mots à vous. Mais si vous avez un trou, la première solution, c'est de se dire que whatever, the camera is rolling, c'est en live, vous respirez un grand coup, une ou deux fois, à la rigueur, vous dites waouh, j'ai oublié, c'est chaud, et rien que ce temps-là, ça va vous permettre de vous relancer. Même mieux que j'ai oublié, c'est chaud, répétez ce que vous avez dit avant. Et vous allez retrouver normalement la connexion logique. Sinon, ben, ouais, vous avez le droit d'avoir des petites antisèches, mais sur vos antisèches, n'écrivez pas de mots, enfin, n'écrivez pas de grandes phrases, écrivez uniquement les grands points d'articulation de votre discours, enfin, les grandes questions rhétoriques, les grandes parties, et un, deux mots-clés. Vous avez le droit d'avoir des antisèches comme ça, mais je vous déconseille de l'avoir trop proche ou trop devant vous ou dans les mains. Parce que si vous l'avez, ben vous allez la lire. Donc, vous pouvez l'avoir à côté, mais vraiment l'utiliser là uniquement en cas d'extrême urgence. Le deuxième élément de la question de Berry. Ah, salut Berry. De Berry. La deuxième question de Berry, c'est comment gérer un imprévu technique
Ben, déjà en testant la technique énormément, tester à fond votre ordinateur, le micro, l'application qui va être utilisée, que ce soit Zoom, Discord ou autre, testez-les avec vos collaborateurs, testez-les avec les gens de la technique du Hacking Crisis, testez votre clicker, testez votre micro, testez tout. Et après, on n'est jamais à l'abri d'un bug, filmez votre pitch en vidéo et envoyez-le en amont à Julie au cas où. Voilà, moi j'aurais tendance à vous dire ça. Voilà pour les bugs techniques, tac, tac, tac. Alors, Capucine, et la vidéo de 2 minutes pour ce soir, ça peut être un motion design ou c'est nous qui parlons avec les slides? Alors, je suis désolé, Capucine, je n'ai pas la réponse sur la vidéo de 2 minutes pour ce soir. Moi, je te laisse voir avec Julie, Yeva et toute la team. Mais en tout cas, s'il y a une vidéo à faire pour ce soir de 2 minutes, moi, je vous conseille de vous mettre vous. Hein. De vous mettre vous et idéalement avec quelques slides, enfin, l'équivalent de ce qu'on a fait là. C'est mieux, enfin, moi je trouve que c'est mieux que le motion design. Vous avez perdu beaucoup de temps à faire un motion design. Mieux vaut voir votre gueule et avoir des slides, faire une capture d'une application où on voit votre gueule et vos slides par exemple. C'est cool ça. Ou juste vous. Comment gérer le rythme de la présentation sans stress, on parle plus vite, sans se rendre compte. Jiki Joke. Ah, j'adore Jiki Joke. Alors, d'ailleurs, en parlant de ça, Jiki Joke, on avait pensé à un autre nom pour Mister Congelo, on avait pensé à Mario Condi. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Gabriel aimait beaucoup. Pour gérer le rythme, en fait, c'est vraiment pour gérer le rythme, la clé, c'est la respiration. La clé, c'est de respirer avant, de respirer pendant, de vous autoriser de respirer pendant, vous autoriser de faire des pauses. C'est vraiment la clé pour être beaucoup plus à l'aise, pour moins stresser, pour bien parler, pour être bien compris, pour bien trouver vos idées. La clé, c'est vraiment de respirer, de faire des pauses et parfois de s'autoriser de parler plus lentement, parfois plus vite. C'est vraiment le meilleur tip, c'est vraiment la respiration. Et après, comme je le disais tout à l'heure avec l'acronyme VRAI, ben, pour donner du rythme, vous avez la voix, vous avez la vitesse, vous avez... l'articulation, vous avez l'intonation, vous avez les silences. Tout ça, ça permet vraiment de donner du rythme, de donner du relief à votre présentation, au-delà même des slides. Alors, la vidéo pour ce soir est au format livre. Merci. Jérémy a raison. Merci, Julie. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore 4 minutes ensemble. On pense avoir balayé la majeure partie des questions que vous pouvez vous poser. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Donc sur le slide deck final, c'était vraiment le dernier sujet qu'on a abordé. Pour les projets nés avant le hackathon, voilà, tac, 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 tac. Essayez sur l'équipe si vous avez où vous prenez les photos LinkedIn. Vous les passez tous ou en couleur ou en noir et blanc. Si vous pouvez faire des photos sur place, c'est toujours plus sympa parce qu'elles seront lissées. On a vraiment l'impression que vous faites partie d'une team. À la rigueur, vous pouvez faire une photo d'équipe, ça c'est toujours très agréable, très sympa. Expérience passée de chacun, oui, mais pas trop. Mettez pas un pavé pas possible sur votre expérience passée. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes les bonnes personnes pour ce projet-là. Problème adressé, ben, le problème, c'est le besoin, le marché, le choix du thème, enfin bref. Solution et la persona, il faut que ce soit très très clair, c'est une solution à un besoin extrêmement bien identifié avec une persona très très claire. Ah oui, une chose que je ne vous ai pas dit, une fois que vous êtes donc on commence par le besoin dans le pitch, le problème, et une fois qu'on a terminé de parler du problème, on n'y revient pas, okay? Une fois qu'on a quitté le paradis, une fois qu'on a quitté l'enfer, la puce, une fois qu'on a quitté l'enfer et qu'on a annoncé le paradis, welcome to paradise, the best place in the afterlife, on ne revient plus, on ne fait pas de back and forth, on ne revient plus à l'enfer. L'enfer, c'est fini. Vous avez annoncé votre solution, vous avez dit ce qu'elle fait, maintenant c'est le paradis intégral. Okay, c'est très 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 important dans le pitch. Enfer, le problème, avant moi c'est l'enfer, grâce à moi c'est le paradis. Et vous ne faites pas de back and forth. Sur les slides, business model, bon, ça vous avez très bien compris.
exécution, plan d'action, c'est vraiment, vraiment important. Très, très important, le plan d'action. En fait, ça montre que vous avez une vision et qu'on a envie d'être là avec votre vision et de vous aider pour l'accomplir. OK. D'autres questions avant qu'on se quitte ? OK. Bah, écoutez, je suis extrêmement heureux d'avoir été avec vous. Moi, j'ai un call to action pour vous. Déjà, je vous souhaite bonne chance. Je sais que vous avez beaucoup encore de travail devant vous en cette fin de journée. Vous l'avez compris, le pitch est quelque chose qui se travaille. Vraiment, il y a 4 points extrêmement importants à travailler pour se préparer. Quel est le contexte, mes objectifs, mon cible, mes messages ? Travaillez-le. La structure, vous l'avez compris, elle est clé avant d'écrire quoi que ce soit. L'écriture, on vous a donné des tips. Le délivrer est essentiel. Préparez à fond ce pitch en visio. Et voilà, vous allez être prêt. Et ces conseils qu'on vous a donnés, ils vont bien sûr servir pour ce soir et le side deck que vous allez faire. Ils vont servir pour la vidéo que vous allez faire. Et ils vont servir pour le pitch de jeudi, mais aussi dans votre vie. Vraiment, ce sont les tips pour bien prendre la parole en public dans toutes les situations que vous allez vivre dans votre vie étudiante et professionnelle. Et on vous souhaite beaucoup, beaucoup de réussite pour le Hackathon Hack the Crisis. Et bien sûr, dans votre vie professionnelle et dans tous les projets que vous avez menés. Merci beaucoup.